Il flotte dans l'air comme un parfum de découverte. Le street fishing, la pêche en milieu urbain, une pratique qui fait de plus en plus d'adeptes. Petit cours gratuit proposé par la Fédération du Pas-de-Calais. Ça, c'est différent de la pêche au cou que vous avez pu pratiquer la dernière fois. Là, vous tenez le fil avec votre doigt, vous ouvrez le moulinet, vous faites l'effet balancier, par exemple, et vous lancez. Ici, on taquine le carnassier, on la pâte en marchant le long des berges. Oubliez l'ambiance calme et statique de la pêche traditionnelle. C'est intéressant parce que ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. Il y a de l'eau partout, pratiquement en ville, surtout dans la région. Et globalement, les poissons mordent quand même. C'est parce que là, bon, aujourd'hui, il n'y a pas forcément... Mais on s'amuse, quoi. 2 heures à moindre coût, très rapidement, sans avoir à emporter beaucoup de matériel. Tu le laisses poser au fond et tu animes tout doucement. Oui. D'accord ? En fait, le leurre, il va monter. Il va redescendre. Il va monter, il va redescendre. Oui. D'accord ? Je te laisse lancer et je te corrige après. C'est bien. Tout de suite, ferme le pick-up. Bien joué. Baisse ta canne. Ça va. Et même si le poisson ne mord pas, l'important est ailleurs. C'est un sport, c'est une passion. Le but, c'est pas de le manger. J'en ai jamais mangé et je le mangerai pas. C'est juste le plaisir de le prendre. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron.